faudrait parler quand même. Et rendre hommage à la personne qui est là ce soir, Pomelaf. D'accord. Je connais Pomelaf depuis quelques mois déjà, et à force de se rencontrer, on est devenus amis. Et quand il m'a dit qu'il jouait ici, il m'a appelé, il me fait « Est-ce que tu veux venir au Trianon ?» Et j'ai accepté. C'est pour ça que ce soir, on va vous chanter tous les deux « La jardinière de fruits et légumes ». Mathieu, Mathieu, attention. Mathieu, tour du cul. Mathieu. Mathieu. La jardinière. Mathieu, Mathieu. Mathieu. C'est quand même pas bon quand même. Mathieu, t'as la condition des gens qui ou quoi? Je me rappelle très bien t'avoir invité. Un, deux. T'as du mal à te concentrer plus d'une seconde quand même. Regarde, suis-moi, voilà. Je me rappelle très bien t'avoir invité, et je me rappelle très bien aussi avoir dit pour voir le spectacle, voilà, depuis le public, et je t'ai même proposé une place assise. Allez, un, deux. La jardinière de légumes, c'est vraiment Mathieu, pas bon quand même. Mathieu, tu m'as demandé plusieurs fois, tu m'as demandé est-ce que je peux chanter une chanson, on en a parlé, et plusieurs fois je t'ai dit quoi? Trois fois je t'ai dit non, non Mathieu. Je n'en ai pas envie, tout simplement. C'était pas clair non plus. Si c'est clair, les trois fois c'était clair. Déjà, il était hors de question qu'on réitère la même expérience que quand t'as chanté Nathalie chez Drucker. Jean Sassoulière. C'était bien, c'était bien. Et deuxièmement, si c'était clair, six lettres recommandées, c'est clair, Mathieu. Alors, moi. Putain, mais tu vas pas. T'imagines la valeur ajoutée? J'étais Drucker le soir, t'imagines un peu par rapport aux gens. Oui, mais regarde, Vincent, regarde, toi, ils ont moins de 73 ans, ils ne te connaissent pas. Donc je pense que tu peux... Là, tu peux y aller. Là, je pars, c'est ça en fait. C'était l'idée, voilà. C'était l'idée, tu... comme un printemps. Mais toi, depuis que t'as fait la turpitude, là, t'as une tête comme ça. Tu marches sur un Lego, mais de quoi tu parles? J'en sais, on déconne. C'est quoi, moi? T'arrêtes de me regarder avec ta gueule, toi, là. Tu vois, je me casse, moi. J'arrive. Non, Mathieu, viens. T'as parlé loge. D'abord, parce que je crois que t'as pas le... Tu vois, le petit truc, là, qui veut dire qu'on a le droit de... Voilà, parce que je ne te l'ai pas donné. Et deuxièmement, parce que j'ai pas envie non plus que... Pour un peu qu'il y ait des gens qui soient dans les loges, qui sachent que tu me connais, voilà. Tout simplement. Donc voilà. Je pars par où? Public! Arrête, j'ai la veste dans les loges. Je la récupère. T'as ta veste dans les loges? J'ai la veste dans les loges, j'en suis allé. Moi, je préfère Benabar, tu vois ce que j'ai dit? Tu sais, le jour où je serai au Trianon, moi, putain! C'est quand? Je sais pas, mais bientôt! Tu sais que je m'en fous, moi, Un, deux! On n'entend pas, t'as pas une voix qui est intéressante? Les gens t'emmerdent, Mathieu. C'est une grosse. Mathieu, passe par là, c'est plus rapide. Mathieu Malignon. Personne ne s'y accoutume, tant pis. C'est un peu comme voyager vers le pays du chômage, et c'est juste avec le goût, mais ça fait cher le voyage. Pourtant les carottes c'est bon, les petits pois passent quand t'arrumes, mais la jardinière annonce
parle, et ça peut durer longtemps. Un souffle toujours comme ça. Certains font une dépression, d'autres vont vomir en prose, car ce n'est ni plus au fond que de la masse et brèche chaude. Le jardinière de légumes, c'est un peu comme les oignons, ça fait pleurer sans aucune raison. Les légumes en jardinière ne m'en savent plus, c'est un crime, mais c'est ton choix à toi de faire. Et c'est vraiment dégueulasse.